Voilà. Ouais, mets ton casque. Et tu frappes avant d'entrer, s'il te plaît. Welcome C'est mon bureau, là, en to fait. the sortie Comment ça, c'est ton academy. bureau? Non, déjà, là, c'est le bureau de Narto. Vous êtes deux, Canfric, c'est toi, tu vois. Et ça, c'est le bureau de Narto, ok? Toi, J'ai le bureau de surveillant. tu n'es qu'un Je stagiaire. suis surveillant. Tu ne me coupes pas la parole, déjà. Parce qu'on va pas être copains, tous les deux. Ok, on va déjà filmer mon épée sur Discord. Narto t'a donné l'ordre, et puis Welcome voilà, hein. to the Et puis, sortie tes équipes sont academy. prêtes. Je te file les pseudos quand tu veux. Eh mais c'est qui, ce petit branleur? Canfric, mets-lui une claque derrière la tête. Ok. Aïe. Non, sans le clavier, ça picote un petit peu. All right, I'm gonna show you guys. I'm in pro league. Me, I'm Mary. Oh, Mary, really? On a un petit termite qui est en train de droner sur site. Bon, le termite à cet endroit-là est pas très utile. Sauf si on a envie d'aller jouer, eh bien, le couloir sur le côté, ça pourrait être sympathique. On pourrait avoir une logique plutôt que de prendre ici, de prendre l'escalier du main, d'aller pusher dans le main, qui est une condition quasiment sine qua non maintenant pour avoir personne qui joue au niveau du main. D'ailleurs, là où quelqu'un vient de mourir comme une merde parce qu'il a dû vouloir passer par cette porte. Parce que c'est l'endroit le plus rapide pour aller au bon site, donc tout le monde passe par là et ça c'est relou. Mais... passer par l'escalier du main, remonter à gauche et jouer intermittent en s'assurant qu'il n'y a personne dans le couloir à droite, c'est pas mal. En fait, tout le monde fait la même chose sur ce map. On va tous à la même porte et à la même fenêtre, j'ai l'impression. Salut Siska, difficile de se faire connaître sur Rainbow Six pour entamer une carrière pro ou pas? Difficile. Non, mais il faut faire les choses bien. Faut avoir un compte Twitter, faut soigner son image, sa communication, être bon, trouver une équipe ou vous faire parler de soi dans une équipe, etc. etc. Au début, je pense que, un petit peu comme parfois on dit dans le marketing, bad reputation is good reputation. Tu vois? Ça veut dire, même si on parle de toi en mal, c'est pas très grave. De toute façon, on tolérera des erreurs de jeunesse. Après, si tu commences à 34 ans, c'est un peu plus con. On va se dire que t'es vraiment con, tu vois, c'est ce qu'on se disait de moi, par exemple. Mais, par exemple, un Vibrassi, on lui reprochera jamais dans 2 ans s'il devient champion du monde. Voilà. Pengu était jeune par le passé, il avait dit pas mal de merde à un moment. Personne ne lui reproche même. Terminé, il n'y a plus rien. Donc n'hésitez pas à faire parler de vous, même si c'est un peu en mal. Oh, c'est pas mal ça, Nasri. Oh, oh, oh! Eh, le petit flic était pas si mal, il a failli le mettre sur la tête. Oh! Et cheat ou quoi? Deux fois ça a M-Lock là. Allez, plante! 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 Non! Non! Pourquoi? Il va rien se passer de toute façon! Plante! 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 Tu plantes, tu drop shot, tu fais le premier kill, tu décales sur le deuxième, bam bam! Mais en plus, tu les punis sur le fait que bah, il t'est rushé pendant qu'il t'est rushé trop tard en fait. T'as le temps de planter. Alors, S6-4, ton front on dirait le toit panoramique du Renault Scénic. Oh, j'aime bien, elle est marrante. Mais je t'emmerde quand même. Mais elle est drôle. Oh, tu m'as fait rigoler. C'est bien. Quel enculé. Je sais même pas à quoi ça ressemble à Renault Scénic, mais je rigole quand même. 8. Bon, il fait le kill quand même. C'est vrai que j'aurais pu pousser. Je suis un peu sévère. Je suis un peu sévère. J'envoie mon jugement à 11. Autant pour moi. Ouais, ou 10 et demi. Ouais, j'ai envie de changer. Il vaut mieux, eh, il vaut mieux avoir un prof qui dit qui se gourre que avoir un trou du cul de prof qui te dit non, mais moi je me trompe jamais. 15 ans de métier. On le connaît tous, ce prof. 10 et demi. Voilà, c'est la note. Voilà, 10 et demi, ça me paraît bien. Bon, bah ça regarde les cams, c'est allongé. Il sait qu'il est plutôt safe. Il a une maestro pour le regarder. Il va casser le drone qui arrive sur lui. S'il y arrive. Voilà, il y arrive. Voilà. Tranquille. Il te reste encore 65, bah là t'as le temps. Bon, t'as raison, reload, 81, c'est mieux 65. Envie de rester en 6-4 ou en frontal? Putain, mais allez vous faire en... Il a place pour écrire sur le front 6-4. Mais allez vous faire foutre, putain. Pas le physique là, je suis sûr que vous êtes tous moches, vous. Non merde. Mon front est très bon. Beau aussi. Ça fait rien du côté de l'attaque là. Ça se touche la teub hein, du côté de l'attaque. Ils vont gagner 2-0 les défenseurs là, tranquille. Hein. Ça c'est Mary ça. Mary il a le don de tout ralentir de toute façon. Il a fait une game bien et c'est bon après il a give. Mentalement il est déjà plus là. Pourquoi les lunettes? Parce que c'est le teach us. Et on apprend et du coup c'est le coach qui se réveille quoi. On est dans le vestiaire, lunettes de soleil.
C'est comme ça. Ouais, c'est le jeu d'acteur qui. C'est impressionnant, je sais, hein, mais. Ah, les déguisements à la Salty Academy, je veux dire, on n'a pas le budget. Du papier, un bout de papier cul. Non, mais nous, avec ça, on est comme MacGyver, hein, je peux te dire, MacGyver, c'est pareil. Hein, avec un coton-tige, j'ai un tampon usagé, le mec, il te fait un char d'assaut, donc. On peut faire des trucs bien. C'est la magie. Ça décale. Est-ce qu'on a le call? Ouais, bah, garde ta ligne, hein, si t'as envie de garder ta ligne. Rien, hein, je veux dire, il va rien se passer de toute façon, ça va pas attaquer de son côté, on veut juste savoir s'il va faire son kill du coup. Parce que du coup, s'il rate son kill, attention, 20 secondes en face, ça fait rien. De toute façon, ça bouge de l'autre côté. C'est la Macarena en plus. Oh, et on s'est bloqué dans son shield. Et on va prendre la tête et on tombe. Et on va peut-être perdre le round en plus parce qu'il reste que le lésion. Mais non. Pouh. Double kill de la part de Galan. Ah ouais, bah non, c'est bon. Ah ouais, bah c'est bien d'avoir mis un shield, hein, je veux dire, mais bon, quand c'est pour se prendre dedans, voilà quoi. Dommage qu'on n'était pas sur le lésion. Attends votre note. 4, 4, 9, ah ouais, c'est moi le mec sévère. Putain la vache. 4, 9 quoi. 11, 12,5, 4,78. On y est presque. Si vous devinez le chiffre exact, je vous fais un giveaway. Un tapis de souris Youngtis. C'est marrant, vous participez beaucoup plus. Vous êtes vraiment des gros enfoirés, hein, je vous le dis tout de suite. Qui l'a mis? Je vais pas pouvoir voir du coup. Et il y en a un qui va me dire après. C'est moi! Oh, il y en a un qui est à un près. Dommage! Que personne ne le dise après. Je l'ai mis, c'est moi! Et m'envoie un screen de merde. Ah, je vois plus rien, je vois plus rien, stop! Ça spam, stop! Stop, personne ne l'a mis! Personne ne l'a mis! Ah, l'erreur! Oh, le truc de merde! Stop! 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 C'était 11,75! Ah, vous êtes trop des blaireaux, putain! Et l'autre écrit 11,75 en speed. Ah, bien tenté. Personne ne l'a mis. Personne ne l'a mis. Je l'ai mis, frère. Non, je ne vous crois pas. J'ai dit stop et j'ai dit que je l'ai pas vu. Il est passé. Je suis désolé. Arrêtez, il y en a qui continuent. 11,75. Allez, je vais sur qui? Ok, je vais sur lui. On m'a saoulé. Non, on va sur la défense. Vas-y, attends, qu'est-ce qui. Galan. Voilà, parce que Galan il fait des kills, on va aller sur lui. Merde, on appuie sur tous les boutons. Voilà, c'est... Prochain nom d'équipe, 11,75 versus giveaway. Non, c'est bon, on l'a trop trouvé, sûr. Diablo l'a mis. Mais me faites pas chier, les mecs, après vous allez me prendre un screen et tout. J'ai pas vu, d'accord? Ça ne compte pas. Je suis désolé, si quelqu'un l'a mis, je m'excuse. Je m'en excuse. Les plus plates excuses, d'accord? S'il l'a vraiment mis, il trouve le moyen de nous faire la preuve de ça, de l'envoyer sur le Discord en faisant point d'exclamation Discord à un étudiant, un surveillant de la Salty Academy, et on voit. Mais il faudrait avoir le time, le timelapse, machin, avec l'endroit précis où ça a été mis, sur la vidéo, sur le clip. Dans ce cas-là, on pourrait négocier. Hein, avec un clip, ça passe. Bon, alors, qu'est-ce qu'on voit? On a vu Galan faire une belle sortie, on va pas se mentir, et ça déjà, c'est bon. Vigile, tu es en train de faire le taf, hein. Les attaquants sont en train de se faire défoncer, en plus ça prend de lésion. C'était très propre la sortie, agressif, voilà quoi. Pas énormément à dire. C'était après le stop. Non, si c'était après le stop, bah c'est pas bon, on le verra sur la VOD. Donc on voyait pas des trucs avant. Le bon placement, hein. Eh, le son, il était complètement fucked up là sur son tir. Le bon placement de la part de Galan. Là, va falloir faire péter les notes, les gars. C'est parti. Sortie par l'extérieur sur une fenêtre qu'il connaissait. On est quand même sur Villa, hein. C'est pas Oregon. Hein. Déjà, Oregon, tout à l'heure, les gens, tout à l'heure, ils avaient réussi à se perdre, hein, sur Oregon, quand même. Là, le mec est sur Villa, il arrive à nous faire des belles choses. Donc voilà. Donc, et les mecs, là, mettent les notes. Parce que là, ils savent très bien qu'il y a peut-être un giveaway. Mais en fait, pas du tout. Il n'y en aura pas. Donc, cherche pas. 17,5. Ça me paraît pas trop mal. ZDEP quoi. On lui demande la Mira, tranquille.
Et le bandit. Oh, les défenseurs ils sont en mode tryhard. Hein. Avec le pulse en dessous qui joue sur la verticalité, la Mira bandit plus Jagger. Un doc pour jouer, pourquoi pas, on aurait pu remplacer par un Maestro. Echo, pourquoi pas, mais Maestro il fait bien chier ici quand on va aller niquer des mecs qui sont dans le couloir. Parce que le couloir est assez facile d'accès, donc avec le Maestro on peut encore faire chier et aider son pote qui pourrait être de l'autre côté. Parce que de l'autre côté on peut pas vraiment décaler à plus de 2 quoi, c'est un couloir. Alors qu'est-ce qui manque là, la Mira là? Une Mira c'est bien. Mais qu'est-ce qui manque là? Le premier qui répond là, il a répondu en fait. Et du coup c'est bien en fait. Les trous putain, les trous de shotgun quoi. Mais pas le Jagger, non les gars, le trou de shotgun, tu prends une Mira, tu mets tes Mira, mais tu fais des trous à côté, tu fais au moins un trou qui colle la Mira juste à gauche et un trou au-dessus pour balancer un C4, deux minimum quoi, please. Quand même. Allez, on attend le call qui est un shield, un montagne, on a entendu en plus c'est un gros shield. Il y a une petite différence quand même de bruit entre... Ouf. Trou en haut, trou pour C4, trou en haut, bah ouais, vous savez tout le monde les gars, vous êtes tout le monde, vous êtes des bons. Ouais. La Mira LPD là, LPD LPDS Nervos. Voilà. LPDS Nervos, pas bien. Comment il a pu louper ça? C'est ton boulot de prendre des micro-pixel line avec ton doc. Comment c'est possible de louper ça? Moins 5 pour le shoot. Ouais, pas moins 5. Bim, le one tap, allez, bah ouais. Ah ouais, on s'aperçoit pas d'une montagne, ok. On peut tourner le dos à montagne, hein, mais faut écouter, hein. À partir du moment où il baisse son shield, c'est là qu'il est agressif. Faut avoir un bon casque. Voilà, le petit 360, c'est ça. Ouais, le shoot en triangle, isocèle, c'est pas mal. Vous avez mis combien? Parce que pendant ce temps-là, j'ai dessiné une maison, du coup, ça n'a rien à voir, mais. Mais comme j'ai une ardoise, bah, je fais ce que je veux en fait. C'est pas bon, il n'y a pas eu de ligne, il n'y a pas eu le truc, il n'y a pas eu la pression là. Là, fallait y arriver, là. Ta-ta-ta-ta-ta, sur le montagne, ta-ta-ta-ta-ta, la pression, bim, le coup d'épaule, fallait lui mettre. Et derrière, lui mettre des petits coups de pression, des petits coups de pression. Et derrière, quand il était en mode. Avec le shield déployé, on push, on essaie de regarder, d'aller prendre un kill derrière lui à la limite. Comme ça, il n'aura pas le temps de dire contact, contact, contact. Bah non, trop tard. Ah ouais mais non mais moi j'étais à montagne parce que l'autre, il y a toujours un Toto qui est derrière qui se dit bah y'a mon pote qui est juste devant. Bah ouais mais c'est montagne et le gars il peut venir jouer sur la ligne. C'est qu'une porte montagne, ça sert à rien en fait tant qu'il est déployé. Et là tu viens tranquille, tu viens de jouer au contact, attaque, tu mets la tête sur le Capitao qui était derrière. Mais non là il y a eu tout faux, c'était pas bon. Capitao, ok, vous voulez Capitao, bon on va sur Capitao. Il punch dans les fenêtres c'est gratos, plus un point. Il punch dans les fenêtres ça met toujours une petite pression. Ah ils sont là, tu sais quand y'a des mecs qui sont un peu parano, t'sais. Le mec aurait genre pris 3 guronzans le matin par exemple. Il y a une fenêtre cassée. Tu vois, ça peut lui faire peur. La petite ligne, elle est bien sympa celle-là. Mais bon, tu vas pas la tenir 3 heures non plus. Elle donne sur l'entrée de la porte. Donc avec un Capitao, ça peut être marrant s'il y a vraiment une logique d'attaquer au niveau de la room pour deny à cet endroit-là. Bon, ça veut dire c'est pas le plus beau gameplay quoi, c'est t'attends ton kill et puis souvent tu vas mettre des dégâts mais tu vas jamais faire le kill et surtout à la fin tu vas deny pour que ça puisse planter à gauche quoi. Bah là malheureusement on est rentré dans une logique de pas du tout d'entrer au bon endroit, j'ai envie de te dire. Enfin, à là où le Capitao aurait pu avoir une influence et un impact. Alors, oui. L'importance de laver sa souris. Parce que quand vous avez une vieille chips qui traîne et qui bloque le curseur de la souris, voilà ce qui se passe.
Donc ça c'est le... C'est le coup de la chips, hein. Ça se bloque en fait dans, dans la souris. Et bah et tu viens d'utiliser toutes tes cartouches. Donc déjà il a eu moins 1 pour ça, le coup de la chips on lui enlève 7 déjà. Donc il est déjà à moins 8 le mec, hein. Peut-être un kill pour venir revenir à zéro. C'est pas gagné. Bah ouais, hein. Bah ouais, tu peux pas rester statique. C'est lui qui aura le pick advantage, hein. Si vous avez pas compris ce que c'était que le pick advantage, les gars. Ah bah non, hein. Ça c'est celui qui bouge qu'à l'avantage, hein. C'est pas difficile, hein. Note du Capitao. Note du Capitao. Moins 8. Voilà. Donc on va aller sur la Mira. Voilà, une Mira qui fait des trous. Ça vient de switcher, hein. Donc la Mira de tout à l'heure, c'est pas la même Mira, vous avez compris. Il y a 5-0, ça vient de tourner. Or cette Mira là, je l'aime pas du tout. Parce qu'en fait, vu que l'angle est agressif par le couloir, par là où le castle pourrait péter, eh bien... Du coup tu peux utiliser quasiment que 50% de ta Mira. Et il y a un mec qui peut te couvrir. Et c'est beaucoup plus facile pour le mec de te défoncer la gueule en fait. Et un Capitao par exemple va te one tap en fait. Donc il va faire très mal. Donc Mira mal posée, bon. Voilà. Moi j'aime pas trop les Mira comme ça. Après il y a peut-être une logique que je n'ai pas, on verra. Mais j'aime pas du tout. Bah ils ont de la chance, pour une fois les gens n'attaquent pas comme en ranked. Donc peut-être que ces Mira vont servir. Oh, derrière ça fait du kill. C'est bien ça. Il prend les cams en début de game. Ça, c'est bien. Moi, j'aime bien. Les gens qui prennent les cams en début de game. Et ça va pinguer. Voilà, tranquille. Voilà, c'est bien. Déjà, il vient de récupérer des points par rapport à ses miras pétés. Putain, Galan, il envoie fort. Il tape dur. Arrêtez ce joueur. Il a pas fait péter le C4. C'est bien. Il attend qu'il y ait un autre... C'est bien, il a entendu le termite. Le petit décal est pas si mal. Bon voilà, il fait péter le C4. A la limite, fallait pas faire péter le C4. Pourquoi est-ce qu'il fallait pas faire péter le C4? Expliquez-moi vite pourquoi est-ce qu'il fallait pas faire péter le C4. Quelle est l'erreur qu'il vient de faire en faisant péter son C4? Pour faire peur, pour faire pipi. Non, pas du tout. Non, il ouvre la salle. Non, parce qu'il y avait déjà des Ibana qui étaient en train d'ouvrir. Les autres entendent le son. Non, toujours pas. Le castle. Non, il y avait une Ibana qui était en train d'ouvrir. C'était ça qui était en train de se péter. Il a pété les barbelés. Merci, Raoun. Il a pété les barbelés. Alors que la Ibana ne peut pas péter les barbelés. Eh ouais, c'est important. Avec son C4, il a forcément pété les barbelés. On le verra pas. Mais regardez, la Ibana elle est rentrée. Vous avez entendu des barbelés? Non, il vient de les péter. Et ça se trouve, ça joue là-dessus. Un barbelé. Ça se trouve, ça joue là-dessus. Il aurait pu faire la décale peut-être sur la Ibana ou avoir le call au moins, qu'elle était juste à gauche. Eh, ça se joue à rien, les gars. Ça se joue à rien. Mais la castle, non, était en train de se faire Ibana déjà la gueule. Donc il n'avait pas besoin de le faire. La Ibana aurait cassé la castle et aurait cassé le C4. Mais pas les fils barbelés. Le C4 a cassé la Ibana et la castle et les fils barbelés. Rainbow Six. Ah, c'est pas Fortnite, hein. C'est... Faut faire marcher le... Ok, on va sur qui? Maverick. Ok. Non mais arrête, tu me saoules avec ton Maverick, c'est toujours le même. Tizef, on l'a pas fait. Soyez sympa, faut tourner. C'est encore peur que le original t'es trop fort. T'as pas donné la note. Mais si, j'ai donné la note. J'ai donné la note sur le Mira 11.75. Je l'ai pas donné. Ah merde, je l'ai effacé. 11.75 j'avais mis. 11.75, pardon. Excusez-moi. 11.75, tranquille. Putain, y'a un goût de charbon mon truc. Encore une Mira mal placée. Bah ouais, tu peux utiliser que 50% de ta Mira. Et en fait, tu peux pas vraiment l'utiliser. Après, à partir de l'autre ligne, c'est pas trop mal. Mais c'est quand même plus difficile. Ah ouais. S'il avait des réflexes, ou qu'il tirait, ou T-Sex. Ah, faut pas rester face à une Mira. Tu sais qu'il y a un mec derrière, quoi. Attention. Ouais, deux fois, tu nous fais la même erreur. Et ta clé mort, quitte à mourir, mets ta clé mort quelque part. Elle pourra tuer quelqu'un. Mets ta clé mort à un endroit de merde. Si tu joues contre Bibou, t'as des chances que sur coastline ils te la prennent. Bibou, c'était là, bon.
Cette clé mort de merde quand j'y repense. C'est la pire clé mort de l'histoire de Banyu. Pour ceux qui n'ont pas suivi Major. Ça va se reset? Ouais, mais il va manquer des HP là. Vas-y. Et du coup, après, tu fais quoi? Ouais. Et après, tu fais quoi? Ok. Et du coup? Ah, d'accord. Bon, en fait, tu pouvais faire ça dès le début, quoi. Les détails, les gars, les détails. Combien ça enlève d'HP? Une flash. C'est une strat avancée de Clément à des endroits vacants. Le mec a perdu 2 flashs et 10 secondes. Moins 3, 3, 5, 4, 3, moins 5. Vous donnez la note là ou comment ça se passe? Moins 3 maintenant, moins 5, moins 5. Bah mettez-vous d'accord, hein. Franchement vous êtes pas d'accord. 3, 2, c'était moins 5 avant, 5. Bien joué ça, c'est propre le décal. C'est propre ça, ça suit bien. Et on pousse ensemble. Les attaquants sont en train de tout rouler, ça va être fini. Terminé, il reste plus que notre ennemi de la Mabuster. Ouais Mary, allez Mary. Allez le clutch de l'infini, le clutch de l'impossible Mary, mets-le. Oh là, il a refait la carte. J'ai réussi à faire tomber la preuve, comme quoi. Le Thatcher du coup on lui met la note de quoi? Attention au Mira. 13 sur 20. Et moins 3 hein, tout à l'heure. À 5 avant, 3 maintenant. T'es là, le Thatcher il met sa Mira comme une grosse merde. C'est pas vrai. Mais il y a des drones, il y a des impôts quand même. C'est la Mira de qui? Je sais pas. Ah, vous pouviez pas prendre le lead et lui expliquer calmement où mettre son renfort et son Mira? On lui a dit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ok, très bien. De toute façon, c'est de la faute des Illuminati, moi je le sais. Ok. Bon, allez, bisous. Hein.